La parole à Monsieur Philippe Marini pour le groupe UMP. Monsieur le Président du Sénat, cette question s'adresse à Monsieur Pierre Moscovici. Monsieur le ministre, on nous a fait des annonces cette semaine dont beaucoup... Mes chers collègues, Monsieur le Président, sincèrement, il serait préférable que l'on puisse s'exprimer pour 2 minutes et demie, correctement et avec un minimum d'écoute. Monsieur le sénateur, vous avez 2 minutes 30, je vous en prie, allez-y. Monsieur le ministre, des annonces ont été faites. Beaucoup d'entre nous pensent qu'il s'agit d'une simple diversion par rapport à une situation très grave que le gouvernement n'arrive pas à gérer. Je voudrais dire que s'agissant de lutter contre les excès des paradis fiscaux, les annonces qui ont été faites sont excellentes dans leur principe, mais qu'il faut aussi savoir utiliser les outils qui existent déjà. Or, à la suite de la crise financière, des réunions du G20, un réseau de conventions internationales s'est perfectionné, en particulier avec la Suisse. Ceci donnant lieu à la signature d'un avenant qui a été postérieurement, en février 2010, étendu par un échange de lettres entre les directeurs des administrations fiscales suisses et françaises. Cet échange de lettres vous aurait permis, Monsieur le ministre, d'interroger beaucoup plus largement que vous ne l'avez fait l'administration fiscale suisse pour savoir si, oui ou non, un certain docteur Cahuzac détenait bien, directement ou indirectement, des comptes en Suisse. Monsieur le ministre, pourquoi avez-vous limité votre question de manière étroite à la seule banque UBS ? En second lieu, et alors qu'il était de notoriété publique, Monsieur le ministre, que d'éventuels comptes en Suisse avait pu être déplacé vers Singapour, pourquoi n'a-t-on pas utilisé la convention franco-singapourienne qui remonte à la même époque et qui permettait de s'assurer auprès de cet État qu'il y avait ou qu'il n'y avait pas de compte? Monsieur le ministre, vous avez bien voulu me répondre par écrit. Les réponses qui ont été faites ne me semblent pas épuiser le sujet, d'autant que ces réponses me paraissent aujourd'hui être éclairé par de nouveaux bruits, de nouvelles rumeurs, de nouvelles indications parues dans la presse qui, probablement, s'il vous plaît, que cette affaire n'en est qu'à ses débuts. Merci. La parole à Pierre Moscovici, ministre de l'Économie et des Finances. Monsieur le Président Marini, mesdames et messieurs les sénateurs, j'ai lu, évidemment, j'ai entendu toutes les questions, mais aussi tous les raccourcis, toutes les simplifications sur ce qu'on appelle l'affaire Cahuzac. Je répète ici qu'il s'agit de la faute, du mensonge, d'un homme, pas d'une responsabilité collective. Et prenez garde à ne pas tomber dans ce type de dérive. Je vois ce matin de nouvelles allégations dans un hebdomadaire, à droite, très à droite, très très à droite. Je veux parler de Valeurs Actuelles. Allégations qui vous conduiront cet après-midi, vous êtes le bienvenu, à venir au ministère des Finances pour vérifier de quoi il s'agit. Mais je veux dire ici, avec la plus grande force, la plus grande fermeté, que ces allégations sont mensongères, que je les dément, que les mensonges, je les combats, et que je me réserve de donner suite de tout cela devant la justice. Pour le reste, je veux m'en tenir aux faits, puisque dans vos qualités, vous m'avez interrogé, et c'est légitime, Monsieur le Président de la Commission des Finances. C'est facile de réécrire l'histoire a posteriori. Il y avait bien ici ou là des analyses. Mais une seule mise en cause existait. C'était celle de Mediapart, qui disait que Jérôme Cahuzac aurait possédé, début 2010, un compte à la banque UBS en Suisse, ensuite transféré à Singapour. C'est cette information-là, et celle-là seule, que l'administration fiscale a cherché à vérifier, à travers une convention d'entraide avec la Suisse. J'ai déjà répondu sur le champ de notre demande d'entraide. Nous avons interrogé sur la banque UBS, car nous n'avions pas
d'éléments à cette date qui permettaient de viser d'autres établissements financiers. Et sur ce point, vous évoquez un avenant. Mais cet avenant, contrairement à ce que vous dites, il est plus restrictif que la convention sur ce point-là. Il ne permettait pas d'évoquer des circonstances ou des conditions exceptionnelles. Nous avons demandé aux autorités suisses, et personne ne l'avait fait avant nous, personne, aucun gouvernement, de remonter loin dans le temps, jusqu'en 2006, date de la prescription fiscale. Nous avons demandé, pour ce qui concernait non seulement M. Camusac, mais des ayants droit, ça pouvait être des intermédiaires. Nous avons demandé aussi s'il y avait eu transfert. Et sur tous ces points, je dis bien tous ces points, la réponse des autorités suisses, elle est claire, nette, précise, négative. Alors, je dis qu'ensuite, tout a été transmis à qui de droit ? D'abord à la police judiciaire, puisqu'il y avait une enquête. Ensuite, quand vous l'avez demandé à vous-même, dans votre qualité de président de la commission des finances. Alors, pour terminer, mesdames et messieurs les sénateurs, permettez-moi de m'adresser à vous un peu personnellement. Dans cette affaire, l'administration fiscale a fait tout ce qu'elle pouvait. Elle a fait tout ce qu'elle devait, dans le respect du droit, et c'est fondamental. Elle a été, comme toujours, remarquable, honnête, vigoureuse, rigoureuse. Et prenons garde à essayer de transformer la faute d'un homme en attaque contre un gouvernement ou contre un ministre intègre, à ne pas salir cette administration qui est une des plus capables du monde, une des plus compétentes, que je suis fier aujourd'hui de diriger avec Bernard Cazeneuve. Merci, monsieur le ministre. Je vous dirai un dernier mot, monsieur le président, si vous le voulez. Vous savez, Sophocle disait, il n'est pas de chose plus blessante qu'un reproche injuste. Mais quand on n'a rien à se reprocher, on affronte les reproches avec fermeté. C'est ce que je fais. Merci.